Robin Sallecroix. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Notre projet alimentaire territorial, cela a été rappelé, a l'objectif que nous partageons de renforcer et développer l'agriculture sur les 15 000 hectares de surface agricole de notre métropole, défendre une certaine identité de notre terroir, mais aussi, bien évidemment, améliorer la cohésion sociale et la santé des populations à travers le bien produire et le bien manger pour toutes et tous. Pour plagier un autre monsieur Roussel que notre premier vice-président, manger de bons légumes, une bonne viande ou un bon fromage ne doit pas être réservé aux foyers les plus aisés, mais accessible à toutes les familles populaires. Certes, la métropole ne sera pas autosuffisante et nous sommes tous conscients que les problématiques agricoles sont vastes et nécessitent des coopérations de territoire à l'échelle nationale. Cette belle politique publique et le travail collectif réalisé en partenariat avec les acteurs des filières de production, de la distribution jusqu'à la consommation, avec le Conseil métropolitain des acteurs de l'alimentation, va permettre justement de concrétiser des projets locaux dont la production sera utile, aussi bien pour nos habitants que les associations d'aide alimentaire dans le cadre du projet de sécurité sociale alimentaire, que pour nos établissements publics, en particulier nos restaurants scolaires ou encore nos EHPAD. Dans cet objectif, la stratégie foncière mise en place et la possibilité pour la métropole d'acquérir des terres agricoles et leurs sièges va permettre d'inciter et de faciliter l'installation ou la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs qui auront à cœur de cultiver la terre et d'élever du bétail dans le respect de notre environnement. L'enjeu est énorme pour notre collectivité, car plus de la moitié de la surface agricole exploitée sur notre territoire l'est par une activité d'élevage, et aussi parce que près de la moitié des actifs agricoles sont à renouveler dans les 10 années qui viennent. Pour cela, nous pensons qu'il faut étendre le principe d'éco-conditionnalité des acquisitions de parcellaires à des engagements vers une agriculture plus responsable, pour que notre politique publique ne s'adresse pas exclusivement aux agriculteurs bio, mais bien à tous les agriculteurs engagés pour une agriculture plus saine et respectueuse de notre environnement. La politique foncière de la métropole, cela a été redit, est un élément clé de nos engagements. Elle doit assurer une réelle veille foncière pour assurer cette mission. Les sièges d'exploitation ne doivent plus disparaître, car ils doivent à nouveau accueillir les nouveaux installés et éviter le mitage des territoires agricoles. Les outils de portage du foncier sont également à renforcer et les périmètres de protection de nos territoires agricoles et naturels, comme les PEAN, doivent être étendus. Bien sûr, un lien étroit doit être apporté entre tous les partenaires qui travaillent sur la transmission et l'installation sur notre territoire. En cette période d'inflation galopante et de recherche de reconquête de notre souveraineté alimentaire, nous préconisons donc une approche équilibrée et ajustée en la matière. Pour finir, les élus communistes voteront cette délibération et en profitent pour apporter leur soutien au monde agricole qui, à travers la fin de la défiscalisation sur le gazole non routier voulue par le pouvoir en place, risque de subir un nouveau coup dur dans une période déjà éminemment complexe pour la profession. Je vous remercie de votre attention.